Le 17 octobre, Andou, il a les origines, pourquoi? Alors l'origine Tao, le congrès de la Soumam, justement, c'est Abban Ramdan Rahimahullah, fait le congrès de la Soumam, بعد الكونغري تما وين قروا خاطر فرنسا بيان سور شاك فوا ما نجموش خاطر سيت ان كاتر ان فورس دي موند كو ميم يفو دير بالاسلحه اون با لا اون با بون معليش ايبا دونك تما وين قروا باللي المهاجرين تاع فرنسا جوستومون في فرنسا في فيدرالي جبهه تحرير الوطن في فرنسا جوستومون هما لازم ينظموا ارواحهم ومعاد باش نقلوا صورتنا نقلوها لفرنسا ستركتوري توت لي ميغراسيون ان اوروب جوستومون اي اون ميم طون دوزيام بوان سوتنير ليفور دو غير فينانسييرمون جوستومون لو تروازيام اكليري لوبينيون فرونسيز اي لوبينيون اترانجير دو نوتر ريفوليسيون نقولهم كيسكو نو فولون اي با كيما قال سي عبان عمر بو داود au moment opportun, في الوقت اللازم هي وروحكم on va attaquer, on va faire une autre guerre là-bas. Le 5 octobre 1961, le gouvernement français اجتمع sans demander l'avis de De Gaulle. Debré avec Frey, etc. اجتمعوا, ils ont décrété un deuxième couvre-feu. À partir du 6 octobre, un deuxième couvre-feu, cette fois-ci, il est très musclé. Ça veut dire cette fois-ci, ils sont préparés contre 2000 policiers, des gendarmes, etc., pour faire face. Ou quand ils sortent, on va essayer de d'escanter. Bon, malish. Alors, donc, ce deuxième couvre-feu, il a été décrété par voie de presse. Alors, pour que les Algériens le savent, les Algériens, mais non, les Français musulmans algériens. شوف ما هذا سي دو راسيزم ديجا فرنساوي مسلم جزائري فوالا دونك با لو دروا دو سورتير لا نوي دو 20 اور ا 5 اور دي ماتان فوالا سي سا لا فينال سي سا بور لو 6 اون ا اكري دي رابور ا نو ريسبونسابل بار لو بيي دو ريزو بيان سور الالمان يديهم الصباح العشيه يولي هو سي با يعني يعطيونا الوغ عطينا لهم دي رابور باللي الحاله راهي خطيره الوغ سي اون كونتينيو كوم سا اون سور با النظام تاعنا يفشل parce que c'est la nuit qu'on se réunit, on ramasse de l'argent, etc. etc. Et bien donc, le GPRA, la fédération, ils ont contacté le GPRA, c'est des ordres. Alors, le 17, à 20h, on sort dans les grandes artères de Paris, on a dit qu'ils ne sont pas venus, mais voilà, chaque quartier où ils sont, quel endroit ils sont, ils sont. Alors, hommes, femmes, enfants, les poussettes, les ont même un bébé Fousmo, la poussette, il y a le 18, justement, tous les commerçants algériens, café, hôtel, etc., café surtout, ils doivent fermer symboliquement, mais. Et le 19, c'est les femmes dans toute la France cette fois-ci. Jamais on a eu dans l'idée que ça fasse le massacre aura lieu comme ça. Jamais. Pour nous, moi, ils vont attraper des gens, ils vont les tabasser, on les déhomme, etc. Mais on n'a pas eu l'idée justement qu'ils vont arriver justement à ce stade de jeter les gens à la Seine. Et encore le jeter. Il y en a qui le remettent, ils méritent du poids, et du poids, Régeline, ou il le haut. Il peut même pas nager, justement. Le papon est le responsable. Voilà, il faut jeter à la Seine, ça veut dire il faut l'assommer, le jeter à la Seine. Il faut, s'il résiste, il faut le brûler vif. Même Galo, on a brûlé des Algériens. Les Français, c'est les policiers même, hein, policiers républicains. Hein. Alors, Hattani Mout, qui Mout, Nazouhoun Loued, Loued Sen, justement. Il a dit qu'on a pendu, des Algériens avec le fil de fer. Quelques avions militaires, hein, les ont réquisitionnés, et bien, Jabou Moutema, de Paris, pour venir en Algérie, et bien, qui ont sur la mer Méditerranée, les Hommes, le Bhar.
justement, ils les ont jetés, largués en mer Méditerranée. Et alors, le maqbar n'tahom, le maqabr n'ta Paris, t'elga des centaines. Alors, dans le maqabr, sans compter ceux qui sont dans la Seine, jusqu'à présent, ma adna chkhbar fihom. Sans compter ceux que les matoum n'haoulom le kwart ou t'ktouhom, alors ils les ont enterrés dans une fosse commune. Ils diront hafra ou ils diront asharat, ma ou ils diront tarab alihom. Le résultat, le 28 octobre, De Gaulle il a demandé la négociation avec le GPRA. Alors, avec le GPRA, et ben parce que خلاص, donc Narousselt le Dar, il n'a rien à faire. Il a même fait venir d'Algérie 100 000 soldats français. Il les a fait venir en France, mais j'ai Hadjou à la Paris, à la France, justement. Quand nous sommes là, justement, Sultan al-Arab, Allah yarhamou, justement, le chef de wilaya, la wilaya 2, ou même le Sheikh Hassan ou Mzal Hayy, la wilaya 4, il a dit qu'il n'y a pas de temps à l'halali, il a dit qu'il n'y a pas de temps à l'halali. Le 17 octobre 1961, c'était la dernière bataille de la révolution algérienne.